Vous allez toucher un peu à vos racines maintenant, goûter un peu de vos racines. Nous allons remonter en 1908, il y avait à l'époque 20 volontaires, c'était les premiers scouts. 250 millions de scouts jusqu'à ce jour. Le scoutisme est à l'évidence un gros succès d'audience de ce 20e siècle. Tout le monde le sait, le fondateur du mouvement est Lord Baden-Powell. On dit Baden-Powell, mais c'est Lord Baden-Powell, général en retraite des armées britanniques. Voici quelques images de ses 88 ans de foulard et de tenue ou d'uniforme, comme vous le souhaitez. Regardez. En défendant l'Empire britannique en Inde, puis en Afrique du Sud, un jeune soldat apprend l'observation, le déguisement, la ruse, tout ce que la langue anglaise appelle « scouting ». Ayant quitté les armées de sa très gracieuse majesté avec le grade de général, Robert Stephenson Baden-Powell décide de faire profiter la jeunesse de son pays de ce qu'il avait appris outre-mer. En 1908, il réunit 20 jeunes Anglais dans un camp expérimental. Depuis, 250 millions d'adeptes se sont déclarés à travers le monde. En France, le succès est foudroyant. Se créent d'abord les éclaireurs laïcs, puis les unionistes, protestants, enfin les scouts de France, catholiques. En 1936, Baden-Powell est déjà un personnage honoré. Continuez à pratiquer votre scoutisme, non seulement pour la distraction et le plaisir que vous en retirez, mais pour la joie de lui consacrer tous vos efforts sous la forme de bonnes actions et d'amitié envers les autres. Quelle que soit son obédience et sa période d'activité, le scout n'échappe pas à un rite initiatique au cours duquel il doit maîtriser l'érection d'une tente, la confection d'un repas sur un petit feu de braise à la fin du jour. Bref, un scout doit savoir se débrouiller seul, en toutes circonstances. Pour entretenir son agilité physique, le scout fait du sport et se fait un devoir de jouer avec ses petits camarades. La débrouillardise n'empêche pas le formalisme. Les débuts du mouvement s'accompagnent d'un protocole assez rigide. Pour tous, uniformes et drapeaux sont de rigueur. 500 scouts, parmi lesquels on remarque les turbans verts des hindous et les voiles blancs des libanais, marchent vers l'étoile pour apporter aux soldats inconnus le salut de leurs 30 000 camarades qui ont fait avec eux le pèlerinage de France. Formalisme auquel s'astreignent aussi les grands de ce monde, voici en uniforme une jeune princesse qui sera bientôt la reine Elisabeth. Et oui, car il y a des filles scouts, elles s'appelleront les guides, mouvement dirigé par Madame Baden-Powell, et dans un premier temps, scouts et scoutesses seront hermétiquement séparés. Les esprits les plus étroits pourraient objecter qu'idéal scout et idéal féminin sont contradictoires. Erreur, les deux sont compatibles, comme l'expliquait en 1969 cette jeune commissaire des guides de France. Ah bah les scouts, c'est des filles dans l'esprit des gens, hein, c'est un peu faux, c'est des filles avec des gros mollets, des grosses chaussures, qui ne se maquillent pas, qui savent toujours très bien se débrouiller, mais qui manquent tout à fait de féminité. Je me souviens, un des premiers camps de formation que j'ai fait, j'avais dit dans la liste des affaires à porter aux filles d'apporter des bigoudis pour apprendre à faire une mise en pli. Et j'ai des parents, mais qui étaient affolés, en me disant, oui, les éclaireuses, c'est pour faire des jeux dehors, apprendre le morse et des nœuds, etc. Moi, je veux bien apprendre le morse, je suis pas contre. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle, savoir se faire une mise en pli ou se fabriquer une jupe, enfin des choses comme ça, est au moins aussi utile. Car le mouvement a changé, même chez les scouts, la vague 68arde a fini par faire des remous. Le rituel a eu tendance à s'alléger et garçons et filles sont désormais mélangés. Les religions en revanche sont de plus en plus séparées. Les 230 000 scouts reconnus par la Fédération française appartiennent à 6 associations différentes. Laïques, protestantes, catholiques, juives et musulmanes. Ce sont les derniers nés, les scouts musulmans créés en 1991. Ils sont 3 000 et l'islam qui s'y développe est loin de l'intégrisme.